Salut à tous, on se retrouve ici pour aujourd'hui donc pour une review de Bleach, le chapitre 643. Alors ce chapitre commençait par l'attaque, enfin par les résultats de l'attaque de Nemo, Gekkon Jorinju. Son attaque un peu bizarre là où elle découpait son âme. Il se trouve que Nemo meurt à l'issue de ce chapitre, de manière assez dégueulasse d'ailleurs, et le chapitre clôt d'une certaine manière le combat contre Pernida. Bon, je pense qu'on aura encore peut-être un chapitre dédié à ce combat. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses à dire sur celui-là. Donc, premièrement, la mort de Nemo en elle-même. Deuxièmement, l'apparition d'un personnage. Disons que c'était pas forcément celui que j'aurais espéré si on m'avait dit qu'on pouvait retrouver un espada, mais enfin là, je suis quand même très content d'en retrouver un. Et donc la réaction de Mayuri qui est super intéressante. Donc c'est vraiment trois actes, et donc c'est parti. Faut pas trop que je dépasse, faut pas que je fasse une vidéo super longue. Donc c'est parti. Ah oui, et j'ai aussi mon Zanpakuto avec moi. Donc voilà, enfin c'est pas vraiment mon Zanpakuto. C'est pas vraiment mon Zanpakuto, mais bon, ça c'est du plastique, hein. On se calme, c'est pas du vrai. Mais bref, on va dire que c'est ma forme libérée, non libérée, voilà. Donc, voilà. Le chapitre commence avec la mort de Nemo. On pouvait ne pas s'y attendre, on pouvait s'y attendre. Moi personnellement, je pensais qu'elle allait encore lancer quelques petites attaques. Vu qu'elle avait commencé à découper son âme, je pensais qu'elle allait poursuivre dans cette voie, qu'elle allait découper son âme encore. Mais peut-être jusqu'au moment où elle n'a plus du tout d'âme, ça aurait pu être rigolo. Enfin, rigolo, disons que ça aurait pu être intéressant. Quand elle fait son attaque, ensuite elle est projetée en arrière, enfin disons, elle tombe, elle s'affaisse vraiment de tout son poids parce que vraiment elle a donné toute son énergie dans son attaque et on a vraiment l'impression, elle est toute suante, on a vraiment l'impression que vraiment c'était une attaque de disons c'était comme un coup de grâce en fait qu'elle donnait parce que moi je pensais que c'était le début d'un combat entre Nemo et Pernida mais non pas du tout, c'était vraiment une seule attaque concentrée, une attaque extrêmement puissante et bon bah ça n'a pas marché. Évidemment Pernida tu peux la découper, c'est comme Bou. C'est comme Bou. Pour ceux qui ont regardé ou lu DBZ, Bou, t'avais beau le couper. Enfin, je veux dire, c'est une entité, c'est une chose, c'est un truc, une Pernida qui se recrée instantanément. En plus, là, c'était pas Pernida, c'était. Enfin, je crois que je me trompe pas quand je dis ça. C'était une main clonée de Pernida. Et du coup, Nemo se fait totalement encercler par une espèce d'amas de pouces sur lesquels poussent des yeux en fait, enfin, c'est un peu bizarre. Et elle se fait littéralement transpercer, en plus elle est à bout portant là, elle se fait littéralement transpercer par tous les nerfs. Et ces images m'ont vraiment vraiment choqué parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais le regard de Nemo, c'est une des premières fois qu'on la voit ressentir quelque chose d'autre que, enfin une émotion particulière. On l'a vu entre guillemets aimer Mayuri, enfin si on peut dire que c'est une émotion, mais là c'est de la peur, là c'est de la surprise, c'est de la peur, c'est la première fois qu'on voit ça, je crois une des premières fois qu'on voit vraiment une émotion comme ça dans le regard de Nemo, c'était vraiment glaçant, et là on sentait que vraiment, elle ne s'y attendait pas du tout quoi, elle s'y attendait pas du tout, et certains s'y attendaient peut-être, mais en tout cas pas elle, et certainement pas Mayuri non plus. Et donc, elle se fait transpercer et exploser. C'est vraiment dégueulasse. C'est une des morts pour moi les plus dégueulasses. Il y avait Ichibei aussi qui avait explosé dans le même genre, mais Ichibei rend tout comique. Donc, il pourrait faire ce qu'il veut. Il pourrait se faire littéralement exploser de l'intérieur avec un. Enfin, bref. Mais enfin, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais bref, c'était drôle avec Ichibei. Alors qu'avec elle, c'est pas drôle du tout. Même si t'aimes pas Nemo, à ce moment-là, la mort est tellement horrible et dégueulasse, tu ne peux pas ne pas avoir de compassion pour Nemo. Autre chose, donc Mayuri est complètement choquée à l'issue de témoigne de cette impuissance de cette mort, et est complètement choquée, il est complètement tétanisé, quoi. Et c'est vraiment étonnant de la part de Mayuri, parce que Mayuri, on sait que c'est... Peut-être qu'on a compris qu'il aimait un peu Nemo, mais c'est quand même le gars qui a toujours une ressource cachée dans sa manche, quelque chose, et il est toujours très très raisonné, très rationnel, il a toujours un plan. Et le voir comme ça, aussi perdu, aussi aussi désemparé, c'est vraiment étonnant de la part de Mayuri. Et encore une fois, ce chapitre est super intéressant pour le développement du personnage de Mayuri. Et là, le meilleur moment du chapitre, l'apparition d'un espada. Bon, le 8,
Moi je l'aime bien, Zaiel Aporo Grant. Zaiel Aporo, je l'aime bien. Je l'aime bien quand même, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi je l'aime bien. Donc Zaiel Aporo, il revient comme une espèce d'image fantomatique. Moi au début, quand j'ai vu le personnage arriver, je me dis mais what, mais qui c'est? Alors, j'ai tout de suite pensé à Zaiel, mais je me dis, ça fait tellement aucun sens que ce soit Zaiel, que ça peut être, je sais pas, un Ryuken mal dessiné, ou je sais pas, ou alors peut-être un Quincy qu'on ne connaît pas, parce que je vous rappelle que Ukitake était le corps qui avait accueilli la main droite du roi des âmes. On peut très bien imaginer qu'il y avait un corps qui accueillait la main gauche du roi des âmes, et que c'était justement cette personne, Pernida. Ça reste encore... La question reste encore un petit peu non résolue, hein. C'est vrai, on a vu une main sortir de Pernida, donc... Oui, une main, un bras, on a vu... Non, mais... Parce que oui, Pernida est une main, mais on a vu dans une autre image du manga, on avait vu une main. De toute manière, il y avait une respiration, alors bon... Non, moi je pense qu'il faut qu'on nous révèle encore une chose à propos de Pernida, mais bref. Donc là, c'est Zaiel Aporo apparaît, et il... incarne en fait tout le discours intérieur que se fait Mayuri à ce moment-là. Et il y a de la culpabilité, il y a de la folie, il y a de la tristesse, il y a tout à la fois. Il y a surtout un discours super intéressant sur la perfection et est-ce que la perfection est compatible avec l'aventure scientifique, enfin disons le progrès scientifique. Et ce que Zaiel dit, en vérité, c'est ce que pense Mayuri, en fait. C'est ce que Mayuri se dit à propos de lui. Et en plus, il se rappelle ce qu'il avait dit. Donc, Zaiel rappelle à Mayuri ce qu'il lui avait dit durant son combat. Et Zaiel avait toute une théorie à propos de sa propre perfection, comme quoi il était absolument immortel, qu'il renaissait de ses cendres tel le phénix. Et là, c'est le fantôme de Zaiel qui vient hanter Mayuri, parce que Mayuri se rend compte que ce qu'il avait dit à Zaiel, justement, il ne l'a pas respecté, il n'a pas respecté ce code de ne jamais aimer la perfection, parce que avec Nemo, il a justement été séduit par cette idée que Nemo était parfaite, que finalement peut-être que c'était plus la peine de faire une autre Nemo, qu'il avait atteint son but avec Nemo, et que c'était la septième était la bonne. Et ce que Zaiel dit, c'est qu'en gros, il s'est affaibli, il est devenu quelqu'un, il a senti de l'amour. Eh oui, le Mayuri, le froid, ce Mayuri qu'on déteste ou qu'on aime, whatever, mais enfin voilà, c'est un monstre froid ce gars-là, à aucun moment on l'a vu manifester ne serait-ce qu'une seule émotion. Et là, dans ces derniers chapitres, il a manifesté une humanité, il a manifesté une émotion. Alors, en plus, précisément une humanité en tant que père, donc en tant que père de Nemo. Père de Nemo, père chelou quand même, à mon avis, enfin bref. Vous vous rappelez comment il l'avait ressuscité, enfin bref. Bref. Moi je m'étais fait des idées, hein, sur... peut-être pas Nemo X Mayuri, peut-être pas... Bon, je suis sûr qu'il y a des fanfictions, mais enfin bref. Bref, faut que je me dépêche. Donc... Oui, Zaiel continue son discours et nous fait comprendre en fait que Mayuri est en train... C'est un dur retour à la terre en fait pour Mayuri, parce que à ce moment-là, il se rend compte que ça, il a baissé sa garde en fait. Il a baissé sa garde en faisant confiance à Nemo. Et c'est terrible parce que c'est comme si tu vois, t'étais un père et que tu dis ah ok, ma fille va prendre le dessus. Allez ok, je fais confiance à ma fille pour prendre le relais. Pour prendre le relais. Il y a rien de plus terrible que de voir ton enfant, ta création, être tué devant tes yeux en fait. C'est-à-dire que ta création était plus faible que toi. T'as échoué. Et là il se dit, ah ouais en fait j'ai été faible à penser ça. J'ai été faible à penser que Nemo était parfaite et qu'elle pouvait me remplacer. Et c'est là que c'est super intéressant parce que, en fait, l'humanité tout à fait naissante de Mayuri, eh ben, elle a été balayée du revers de la main. Tiens. J'ai même avec exprès en plus, balayé du revers de la main du roi. De la main du roi. Enfin si, de la main du roi des âmes du coup. Voilà. Donc Mayuri, à mon avis, est un petit peu tourmenté là dans ce chapitre. Il a une façon de faire, de reprendre sa détermination. Il prend le visage de Zaiel et il brise l'image en la prenant. Et je trouve que le point est assez symbolique dans ce sens que, voilà, il reprend
fermement son destin, ça, il reprend le cours du combat. Et là, il dit vas-y. Mange Nebu. C'est effrayant quand même comme décision ce qu'il prend, parce que on a l'impression, bah attends, Mayuri, je comprends pas, t'étais à l'instant d'avant, t'étais décontenancé, t'étais juste abattu par la mort de Nebu, et là tu le laisses s'emparer de son corps. Et en fait on comprend que Mayuri, ce qu'il est en train de faire là, enfin c'est mon avis, mais ce qu'il est en train de faire Mayuri là, c'est... Il est en train de bloquer toutes ses émotions en fait. Parce que là il y a un combat à finir. Il bloque tout. Il se dit ok, faut pas que je déconne là. Faut que je reste le scientifique que je dois être. Et vas-y. Il reste tout calme, il garde son sang-froid tout ça. À mon avis, Mayuri est en train de bouillir à l'intérieur. Il est en train de bouillir comme un taré. Je pense que le chapitre suivant, il est très probable qu'on voit Mayuri en fait beaucoup plus humain qu'on pense. Et peut-être qu'il va pleurer, je sais pas, peut-être qu'il va s'énerver, je sais pas. Peut-être que ça va le conduire à sa mort, hein. C'est pas encore dit qu'il va pas y avoir au dernier moment un mec qui était dans Pernida. J'en sais rien, mais enfin bon. Ou Ishida. Ishida peut encore intervenir, on sait pas du tout où il est. Donc voilà. Et ensuite, donc, Pernida est en train d'avoir le cancer, essentiellement, c'est ça, hein. Donc ses cellules sont en train de se régénérer. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'au début je n'ai pas vraiment bien compris, mais en fait, là, vous imaginez. Vous vous régénérez incessamment. Et c'est comme les serpents, vous voyez, qui muent. Et il y a une nouvelle peau qui se crée, et l'ancienne part. Sauf que là, l'ancienne n'a même pas le temps de partir, il y a une nouvelle qui s'est déjà créée. Et là, tu vois, tout est en train de se régénérer à l'intérieur. Je sais même pas si c'est limite, il a pas... Enfin, tout va exploser, en fait, parce que tout est en train de se recréer. Et ça va causer de la surpression dans tout son corps, et ça va faire un gros baf à la fin. Ça va être bien, bien propre. Remarque, vu ce qu'il a fait à Nemo, ce ne serait que justice, franchement, qu'il termine littéralement oblitéré comme Nemo, enfin pire même. Donc voilà, Mayuri, à mon avis, n'a plus vraiment beaucoup de cartes dans sa manche, quoique il nous a sorti un truc sorti nulle part, là, l'espèce d'onde de choc électrique là, qui a empêché une Pernida de l'attraper avec ses nerfs. D'ailleurs, je n'ai pas très bien compris au début, je pensais que c'était Pernida qui l'avait électrocuté. En plus, il y avait une bulle qui disait ça doit faire mal ou ça grésille, quelque chose comme ça. Au début, je pensais que c'était Pernida qui disait ça. D'autant plus qu'on voyait avec sa langue et ses yeux là, on avait l'impression que c'était lui qui parlait. En fait, non, probablement que Mayuri est une espèce de protection. C'est le risque avec Mayuri. C'est un peu un risque. Je trouve que des fois, il frôle le OP. C'est-à-dire qu'il est tout le temps cheaté, Mayuri. Heureusement, ce combat a montré qu'il avait des limites. Donc. C'est très bien, pour son personnage c'est très très bien. Et il y a aussi quelque chose que je veux dire, c'est par rapport à Pernida, je pense qu'en fait l'attaque de Nemu est pas totalement inutile. Je pense que l'attaque de Nemu a permis, a rendu Pernida un petit peu dingue, un petit peu monstrueuse. Au début Pernida on avait l'impression qu'elle devenait de plus en plus intelligente. Elle pouvait absorber les informations grâce à ses nerfs, donc peut-être, tu vois, elle imitait un peu Mayuri ou Kenpachi. Enfin surtout, Mayuri en tout cas. Et non, parce qu'imiter Kenpachi au niveau de l'intelligence, je crois pas que ce soit le meilleur truc. Mais par contre, voilà. Et donc, Pernida devient une espèce de monstre là. C'est vraiment étonnant. Elle est plus du tout intelligente ou. C'est devenu une espèce de gros monstre. Pourquoi elle vient manger Nemu aussi? Je veux dire, pourquoi elle vient manger Nemu? C'est quoi l'intérêt de manger. Je veux dire, on a jamais eu l'impression que Pernida voulait bouffer Mayuri. Non! Pernida elle parlait de l'honneur des Quincy, enfin en gros voilà je suis Quincy gna gna gna. Et là c'est juste un gros monstre. A mon avis c'est l'attaque de Nemu. A mon avis l'attaque de Nemu. Enfin non ça fait aucun sens. Si c'est la main clonée. Ah je sais pas. Bah dites-moi dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Et voilà, donc voilà c'est à peu près tout. Alors j'ai beaucoup aimé ce chapitre, vraiment un des meilleurs chapitres du combat pour moi entre Pernida et Mayuri. L'apparition de Sayel était tellement fraîche, c'était vraiment super. C'était rafraîchissant de revoir un Espada. Alors, est-ce qu'on va en voir un autre? Est-ce que c'est le début? On a déjà vu Nell, Grimmjow et donc maintenant Sayel. Mes deux préférés étant Neutra et Stark, je n'ai pas envie de les revoir parce que pour moi leur mort était vraiment super. Leur mort était super bien amenée, donc... elle faisait du sens. Je ne vois pas l'intérêt de les faire revenir, d'autant qu'ils n'ont pas eu d'interaction. Si, peut-être Kyoraku Stark. Remarque, Kenpachi et Neutra étaient aussi intenses comme
une relation courte mais intense. Enfin courte non, parce que le combat était très long, mais très intense. Donc non, non. Cela dit, je vois très très mal Kenpachi avoir des fantômes, si ce n'est Unohana. Donc, enfin des fantômes qui viennent lui hanter l'esprit. Donc voilà, ce que j'attends pour la suite, ce que j'ai un peu dit dans la vidéo, Mayuri révèle une partie un peu de son humanité, il baisse encore sa garde. À mon avis, je pense que Mayuri c'est une façade, son côté très froid là c'est complètement une façade. Et en ce qui concerne Pernida, je pense que Pernida va révéler une chose après ça. Est-ce que Pernida va mourir? Il est très probable que Mayuri gagne le combat, là je pense. Mais est-ce que Mayuri ne va pas mourir à l'issue du combat? Je ne sais pas. D'autant plus que, rappelez-vous, quand il mettait son gaz là, il disait, enfin quand il mettait son gaz paralysant, je ne sais pas quoi, il disait, ça va me jouer des tours après, ça va se retourner contre moi. On n'a toujours pas vu ça de Kubo, et c'était tellement il n'y a pas longtemps, enfin c'était il n'y a pas longtemps quand même ça, qu'à mon avis Kubo n'a pas pu oublier. Kubo oublie des choses, mais là non, à mon avis non, il a prévu de le faire. Donc voilà, bah voilà, mettez un j'aime si vous avez aimé, mettez un j'aime pas si vous n'avez pas aimé, mettez rien si vous êtes comme ça. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard, probablement la semaine prochaine, si Dieu veut. Enfin, si le roi des esprits veut. Voilà, ciao !